Goed, welkom op de presentatie van de man van de match na deze spannende toppers tussen Oostende en Charleroi. Naast mij zit Xavier Louis Sint, gekozen door de pers en de spelers en de trainers en iedereen die betrokken is bij KVO. Xavier, het geluk om de match, c'est gay, maar après un match ou pas, après un résultat pareil, je crois que le sentiment n'est pas. Non, c'est sûr. Non, c'est pas après un match comme ça. C'est une grosse déception aujourd'hui. On a fait un bon match, je trouve, dans l'ensemble. Et prendre ce but à la fin, ça fait très mal, en fait. Donc, allez. Si on peut être neutral ou honnête, un match nul aurait été un résultat acceptable. Oui, c'est sûr. Sur l'ensemble du match, un match nul aurait été logique. Même si en première mi-temps, on a les occasions de tuer le match. Mm-hmm. On n'a pas su le faire. Il marque juste avant la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a peut-être manqué un peu de jus pendant les 20 dernières minutes. Mais bon, ils n'étaient pas très dangereux. Charleroi aussi, ils étaient très fatigués. Et voilà, ça a tourné en leur faveur sur un coup de pied arrêté. C'est regrettable. Oui, parce que, allez, je crois pas qu'ils ont eu beaucoup d'occasions vraiment en jouant du football. C'était des phases arrêtées. Oui, c'est sûr, on avait bien préparé le match. On a été très présents. Tous les joueurs étaient très présents sur le plan défensif. Ça fait qu'on n'a pas été très mis en danger, en fait. Donc, bon. Ce qu'on constate aussi, que vous marquez votre sixième but, c'est ça, cette année ? Cinquième but. Comment le faites-vous ? Un peu de chance, un peu de travail, voilà, entraînement, et puis être au bon endroit au bon moment. Voilà. En ce moment, ça, sur ce plan-là, ça va bien, donc oui. On va essayer de continuer. Ça va, c'est bien. Comme vous le savez déjà, vous gagnez un bon pour aller manger, un bon de 50€, pour aller manger au restaurant Charles Lindbergh. Donc ça c'est pour vous. Merci. Voilà, néanmoins, la déception. Il faut quand même faire jouer le jeu comme il est prévu. De quizvraag van vandaag was wie is de nieuwe voorzitter van Antwerp na de legendarische periode van de heer Wouters. Dat is dus Jan Michel, is de naam van die persoon, die nieuwe voorzitter van Antwerp. Er zijn een aantal supporters die dus het juiste antwoord hebben vermeld. En ook Xavier hebben aangeduid als man van de match. Xavier, si vous voulez, Thierry Ossor, un gagnant. Dank u wel. En dan zien we dat meneer Mark Vernieuwe ook een bon wint van €50 om te gaan eten in de Charles Lindbergh. Heeft Xavier aangeduid en het goede antwoord op de quizvraag. Dus meneer Vernieuwe mag naar het secretariaat komen om de waardebon op te halen. Zijn er nog vragen eventueel aan Xavier? Geen vragen meer. Dank u wel. Dat is het einde van de man van de match. Je suis désolé. Ah, désolé.